il a restructuré la dette à hauteur de 500 millions d'euros, il a prêté à 12%. Et donc il y a eu des taux d'intérêt élevés qui ont été exigés, donc de l'ordre de 50 millions d'euros par an. Et ces taux d'intérêt, ces 50 millions d'euros, n'ont pas servi à l'entreprise, puisqu'ils ont servi à rembourser les intérêts. Et ça rémunère, c'est même pas du dividende, c'est des taux d'intérêt. C'est comme une banque. Donc ils exigent des taux d'intérêt élevés. Et l'État fait la même chose, ce qui est absolument scandaleux. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on soutient une entreprise en prêtant à 12%, parce que c'est le même soutien que la corde qui soutient le pendu. Que le prêt garanti de l'État soit accordé. Où a été l'argent qui devait aller dans les hôpitaux? Il a été dans la poche des actionnaires. Toujours plus d'euros. J'ai appris que les salariés de Camaïeu aujourd'hui décider d'une manifestation devant leur siège social pour protester contre le plan social qui les menace. Et j'ai tenu à porter mon soutien puisque, en tant que parlementaire, j'ai mené une enquête sur les prêts qui étaient accordés aux grands groupes et les taux d'intérêt très élevés qu'ils exigeaient. Et c'est comme ça que j'ai découvert que des fonds d'investissement prêtés à des grands groupes, à des taux d'intérêt élevés de l'ordre de 10, 12, 15%. Et que l'État faisait la même chose. Et ces taux d'intérêt élevés, eh bien, privent l'entreprise de pouvoir investir. Parce qu'il faut nourrir le capital, il faut rembourser ses prêts à des taux d'intérêt élevés. Et cela fait beaucoup de mal à l'entreprise. Et c'est pour ça qu'ensuite, des groupes comme Camaïeu se trouvent en difficulté. Qu'est-ce que vous pensez du contexte actuel qui fait qu'aujourd'hui on justifie tout par rapport à la crise ? Eh bien, je trouve ça justement scandaleux parce que non seulement la crise sert de prétexte à ces plans sociaux, mais en plus, les directions de ces groupes demandent de l'argent public pour payer leurs plans sociaux. Et c'est pas normal. Si l'argent public est mis sur la table, notre argent, l'argent des contribuables, il doit servir à sauver les emplois, voire à développer les entreprises. Certainement pas à supprimer des postes, des milliers de postes, des dizaines de milliers de postes, comme c'est le cas ici à Camaïeu, mais aussi à Conforama ou à Renault. Aujourd'hui, c'est avec surprise que on nous a annoncé le redressement judiciaire de l'entreprise. Donc il y a une annonce qui a été faite lundi passé. Ce n'était pas prévu à l'heure du jour du CSE. Et on nous annonce que le lendemain, il y a une audience qui a été déclenchée par la direction du tribunal du commerce en vue d'un redressement judiciaire. Comment est-ce que vous avez réagi ? Il y a eu déjà un mécontentement puisque ce n'était pas prévu à l'heure du jour. Donc il y a bien une stratégie de la direction de nous imposer et on ne s'attendait pas à un redressement judiciaire. Autant que depuis des années, vu les difficultés de l'entreprise, on s'attendait un jour à ce qu'il y ait un plan social qui soit mis en place, mais certainement pas la mise en place d'un redressement judiciaire. Quelles sont les causes qui ont été avancées ? Les causes, c'est... Alors, ce qui est énorme quand même, c'est... On sait que Camaïeu connaît des difficultés depuis une dizaine d'années, par rapport au surendettement qui était important. La dette a été transformée en actions, puisque nos créanciers sont devenus nos actionnaires. Mais ce qui est assez marrant, mais c'est de l'ironie, hein. C'est que en fait, le conseil de Camaïeu a fait valoir comme excuse le prétexte du Covid-19 et le mouvement des Gilets jaunes, sachant qu'ils ont réclamé auprès de l'État, donc le prêt garanti par l'État, une partie de la dette. Donc c'est trop gros. Donc faire croire que Camaïeu va mal depuis le mouvement des Gilets jaunes ou le Covid-19, non, c'est faux, c'est totalement faux. Même si effectivement, ça a aggravé la situation. Quelles sont les actions que vous allez mener ? Plusieurs actions. Il y aura des actions actuellement, on fait un rassemblement, il y aura des actions devant les magasins. Et on envisage d'interpeller l'ensemble des élus. On a interpellé par courrier le président de la République. Voilà, donc il y a des tas de choses qui vont être faites en concertation avec les salariés. Il y a des assemblées générales qui sont déjà prévues, des réunions aussi en intersyndicale. Comment est-ce que les salariés vivent cette situation ? C'est mal parce qu'il y a toujours une crainte pour l'emploi. Parce que même si on aurait des propositions d'un ou plusieurs repreneurs, le risque, quelles sont les conditions de reprise ? Et on sait qu'en général, il y a de la casse sociale. Est-ce que vous pensez que c'est fait en toute transparence ? Non, certainement pas. Je pense qu'il y a une réelle stratégie de la direction, qu'elle était prévue bien avant cette épidémie, et qu'aujourd'hui, ça ne fait qu'accélérer les choses.
mais comme beaucoup d'entreprises. Donc on profite de cette situation pour accélérer les choses, c'est pas normal. Et vous vous présentez pour nos auditeurs. Alors je suis Karim Amouni, je suis aujourd'hui en compétition, on va dire, dans le second tour des élections municipales de Roubaix. Que faites-vous ce matin devant Camailleux? Ce que je fais ce matin devant Camailleux, c'est ce que doit faire tout individu qui respecte l'être humain, c'est-à-dire se dire que ce qui arrive à Camailleux, ce qui arrive aux salariés de Camailleux peut arriver à chacun d'entre nous. La crise de Covid nous a prouvé une chose, sans solidarité, nous n'arriverons pas à vivre les uns avec les autres. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que le modèle de société est à bout de souffle. On ne peut pas continuer à se dire qu'une société comme Camailleux ne produit que des vêtements. Elle produit des familles, elle produit de la solidarité, elle produit surtout une ambition familiale qui permet d'être dans un collectif. Et aujourd'hui, la variable d'ajustement, c'est justement la cellule familiale et les salariés. Et ça doit suffire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prélever tous les ans de l'argent en se disant « tant que l'entreprise va bien, je me nourris ». On répartit les richesses pour obtenir quelque chose qui soit beaucoup plus équitable. Et je pense que la grande leçon de cette pandémie et la grande leçon du Covid, c'est de se dire que sans les uns et les autres, il n'y a pas de société. Et que chaque maillon de la société constitue une chaîne de solidarité qui nous permet de vivre. En fait. On voit qu'il y a un ensemble d'entreprises qui vont être touchées par des restructurations. Les entreprises n'hésitent pas à utiliser le Covid alors que les plans de restructuration étaient déjà prévus avant le mois de mars. Donc on a besoin d'avoir des contacts avec les uns et les autres pour préparer le 16. Vous présentez un peu puisque le 16 juin, il y a une décision qui a été prise avec les camarades de la santé de converger l'ensemble des luttes du département. D'autres personnes, les Renault, les Camailleux, la santé, tout le monde, l'ensemble du monde du travail. Donc le 16, 14h30... place de la République, rassemblement et manifestation. Vincent Carlier, je suis conseiller municipal à Roubaix, REP Écologie Les Verts. Pouvez-vous nous dire ce que vous faites ce matin devant Camailleux? Je soutiens la lutte des travailleurs de Camailleux parce que leur emploi est menacé fortement. Et donc il est nécessaire effectivement que tout le monde se mobilise pour les soutenir. Parce que d'une part, leur cas, eux, n'est pas un problème isolé. On est dans une situation où la crise va sévir, la crise économique et sociale va être importante. De nombreuses entreprises vont être impactées, de nombreux travailleurs vont avoir leur emploi menacé. Et bon, aujourd'hui c'est Camailleux, demain ça sera d'autres. Mais il faut effectivement que tout le monde se mobilise pour soutenir ces travailleurs en lutte. Moi, a priori, je suis venu soutenir les salariés de Camailleux, en l'occurrence mon frangin qui travaille ici depuis 27 ans. Et soutenir les salariés de Camailleux, c'est aussi soutenir les Roubaisiens dans cette période de crise. Il faut impérativement que l'État reprenne la main sur l'économie et aussi vienne soutenir cette entreprise qui est un fleuron de la région. Apporter mon soutien aux salariés, tout simplement pour qu'on soit capable de se battre et de sauver les emplois. Cette entreprise, elle fait partie de l'histoire de la ville. Et comme je le disais tout à l'heure, on a un exemple de ce type, il n'y a pas si longtemps, avec la Redoute qu'on donnait pour morte, et qui aujourd'hui a prouvé que quand on retrouve des repreneurs, quand on retrouve des investisseurs, quand on retrouve, j'allais dire, des vrais actionnaires, c'est-à-dire pas des gens qui sont là... pas des fonds de pension désincarnés qui sont là simplement pour trouver de la rentabilité, mais des gens qui travaillent pour un projet, tout redevient possible. On sait que ce ne sera pas facile, parce que l'entreprise a été très endettée par les différents fonds qui se sont succédés. Mais je pense que c'est plus que jamais nécessaire de se mobiliser. C'est ce que je ferai et je continuerai à faire dans les jours qui viennent. Pas plus tard que cet après-midi, je dois voir le ministre Le Maire au téléphone pour lui demander de prendre ses responsabilités et de savoir exactement ce que l'État peut faire. De toute façon, on a prouvé dans les, dans,
dans les derniers jours et dans les dernières semaines qu'on avait plus que jamais besoin d'une force publique qui investit et qui croit au projet. Je vous remercie. Merci.